Le code Le Grenier. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est un petit déjeuner à 8h49. Il n'y a pas de biscotte, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de café, il n'y a rien du tout. Il y a Yves de Clerdrel et il y a Thierry Garrier. Et avec l'actualité au menu ce matin. Bah oui, dans l'actualité, c'est évidemment la manifestation de tout à l'heure. Mais ça, vous pourrez appeler 0826 300 300 pour savoir si vous soutenez. Et là, vous soutenez quand même cette journée d'action, majoritairement. Même si après, il y a beaucoup de nuances dans les commentaires, quand même, évidemment. À la fois sur les perturbations, à la fois sur une réforme des retraites qui est certes sans doute indispensable, mais il faut la revoir. Avant de justement détailler cela, quel type de réforme peut être revue, est-ce que le projet sera retiré, Yves de Clerdrel, Thierry Garrier, il y a quand même l'affaire Delevoye. Bon, il a démissionné hier, il était complètement acculé, là. Il ne pouvait pas faire autrement quand même, hein, Yves de Clerdrel. Oui, alors... D'autant qu'il y a eu de révélation à révélation. Il était acculé, bon, c'est scandaleux, on a dit tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit... Et encore, on en découvre quasiment, d'heure en heure. Mais moi, je voudrais pointer du doigt, M. Hollande avait créé, après l'affaire Cahuzac, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP, dont le président... quitte son mandat dans quelques jours, Monsieur Nadal, ancien procureur général de Paris, et c'est à la HATVP de vérifier la sincérité des déclarations. Cette autorité n'a servi à rien. Elle n'avait servi à rien pour d'autres déclarations, pour Monsieur Thévenoud, etc., pour plein d'autres déclarations, et pour l'affaire Rugy de la même manière. Donc, Rugy, c'était différent. À quoi ça sert cette haute autorité sinon à créer de la défiance vis-à-vis du monde politique en disant ils sont tous pourris, donc il faut qu'ils fassent des déclarations de transparence. Le paradoxe dans ce que nous dit Yves, c'est au fond que la haute autorité, contrairement à ce que vous affirmez Yves, elle fonctionne, la preuve c'est que les choses finissent par sortir, mais elle fonctionne trop tard, parce que sans doute pas assez de moyens, et donc on est dans un paradoxe où ça finit par nourrir la défiance. Et là, je vous rejoins. Il faudrait lui donner davantage de moyens et lui permettre d'obtenir une véracité des faits présentés dans les déclarations beaucoup plus tôt, d'avoir cette capacité à vérifier, en effet, beaucoup plus tôt, parce que sinon, ça n'a pas de sens. C'est même pire encore, puisque ça finit après des mois et des mois de pratique, puisque ça fait des mois qu'il était membre du gouvernement, Jean-Paul Delevoye, par le faire chuter, et on se dit, mais alors à quoi bon tout ça? Non, de ce point de vue-là, vous avez raison. Surtout que, quand même... Mais elle sert à quelque chose, malgré tout. Il faut rappeler que Jean-Paul Delevoye n'est pas un perdreau de l'année. Il a été ministre sous Jacques Chirac. Il a été président du Conseil économique, social et environnemental. Il a été président de l'Association des maires de France. Il a occupé de très hautes fonctions dans la République. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant des usages et plus que ça, puisqu'on touche à la Constitution. Ce que je voudrais, moi, pointer du doigt, parce que c'est tout de même, à un moment donné, il faudra tirer le bilan politique de tous ces atermoiements et de ces erreurs. Non seulement de Jean-Paul Delevoye, sur cet aspect marginal, encore que, puisqu'il y a une dimension peut-être d'attitude anti-constitutionnelle avec ce cumul entre ces émoluments de haut-commissaire et puis ce qu'il touchait, ces 5 000 euros, ce qui est déjà, si vraiment on est dans cette situation, c'est gravissime. Bon. Mais ce qui est impressionnant et ce qui est tout de même aujourd'hui un élément, sinon à stigmatiser du moins, à dénoncer, c'est la façon dont le gouvernement, depuis des mois, présente cette future réforme comme stratégique, comme peut-être la réforme des réformes du quinquennat. La mère des réformes, oui. C'est ça. Et au fond, l'amateurisme avec lequel la gestion de la communication, de la pédagogie autour de ce qui était présenté une fois encore comme la réforme essentielle pour ramener à l'équilibre l'avenir de la période un peu plus calme dans la vie des jeunes d'aujourd'hui, de ceux qui travaillent aujourd'hui, c'est tout de même assez stupéfiant. Je partage votre point de vue. On est dans un gâchis politique assez considérable. Je pense qu'à Sciences Po, dans les prochaines années, on étudiera ça comme contre-exemple de communication, de communication politique. Et il y a une dimension sur laquelle souvent je suis revenu ici, sur Sud Radio, dans la matinale, qui est la façon dont le président de la République se refuse
pour rester en apparence, en façade, le maître des horloges, se refuse à faire de la politique qu'on va appeler à l'ancienne, mais qui, quoi qu'on dise, avait du sens et s'inscrit dans... C'est quoi la politique à l'ancienne ? Mais c'est ce que lui considère comme étant à l'ancienne. Ouais. Mais c'est par exemple un François Mitterrand ou un Jacques Chirac qui, à un moment donné... ont compris qu'ils avaient perdu la main et qui, pour la reprendre, utilisent les institutions, démissionnent le gouvernement, lancent un référendum, le perdent parfois, hein, agissent en interrogeant en quelque sorte le peuple souverain. Oui. Et dans ce cas-là, eh bien, ils perdent ou ils gagnent, mais au bout du compte, c'est la cohabitation, par exemple, mais ça fonctionne. Ouais. Mais le peuple souverain s'est prononcé, et alors qu'aujourd'hui, là, personne ne se prononce, on a des erreurs, traîne alors, comme ça. On ne crève jamais les abcès. Je suis d'accord avec vous, Thierry Gaillet, mais on vous répondra, on vous rétorquera qu'il y a eu... qu'il est légitime de maintenir les abcès. Il y a eu 52 week-ends de gilets jaunes et qu'il n'y a pas eu de changement de gouvernement. De changement de gouvernement pour autant. Pas vraiment de changement de cap. Exactement ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Le président de la République, alors même qu'il a perdu la main à un moment donné dans l'opinion, ne veut pas assumer son rôle qui est à un moment donné de faire de la politique en se retournant vers le peuple et en le testant avec toutes les armes que la Constitution lui donne pour ça. Ça peut être le référendum, ou ça peut être de dire, ok, le gouvernement a failli, je le change, et je change sa tête. Non, il ne fait pas de politique de cette façon. Le résultat, c'est qu'on maintient des abcès dans l'opinion, qui s'accumulent. Il fait des changements de gouvernement, Emmanuel Macron, en permanence, sous la pression. Vous l'avez dit ce matin, quand même, 16 ministres ou secrétaires d'État en l'espace de 2 ans et demi qui ont quitté, et les poids lourds. Tous les 2 mois. Gérard Collomb, Nicolas Hulot, François Bayrou, Richard Ferrand, Jean-Paul Delevoye, qui était un poids lourd, puisqu'il menait cette mère des réformes. Ouais, François de Rugy, alors pour d'autres raisons aussi, bien sûr, mais enfin, quand même, 16, quoi. Nicolas Hulot, tout à fait. Ah bah oui, oui. Non, mais ça, c'est effectivement... On est le seul pays où ça se passe comme ça. Hein. Ouais. Vous prenez on a en moyenne, si vous prenez le Bercy, on a un ministre des Finances par an depuis 20 ans. Ouais. En Allemagne, vous avez eu 3 ministres des Finances en 20 ans. Oui, bah oui, donc voilà. Qui est-ce qu'il peut prendre aussi pour succéder à Jean-Paul Delevoye? Personnellement, je pense que le mieux placé, à la fois pour discuter avec les syndicats, pour faire la communication. Il y a énormément de travail de ce point de vue-là à faire. C'est Darmanin. C'est Gérald Darmanin. Il est sans doute le mieux placé. C'est une réforme de droite. Ouais. Ne nous cachons pas derrière. Qu'il lâcherait Bercy. Enfin, il a une partie à Bercy, donc Bercy, la loi de finances va être votée dans 2 jours. Mmh. Donc dans 2 jours, son gros boulot de l'année est terminé. Ouais. Donc la loi de finances sera votée dans 2 jours. Je pense que dans 2 jours, il peut être nommé... On parle de Djebari aussi, de Jean-Baptiste Djebari ou d'Agnès Buzyn. Le ministre des Transports. Ouais. Non, mais on peut imaginer par exemple que, hypothèse, Gérald Darmanin, un couple Darmanin-Dussopt pourrait avoir du sens. Dussopt, droit dans ses bottes, entre guillemets. C'est un garçon discret, un garçon... qui connaît ses dossiers, c'est un ministre qui n'est pas flamboyant, c'est un peu le Riester de la fonction publique, discret et soldat bien élevé et discipliné. Bon. Oui, écoutez, on verra, on lui posera la question. Dans un instant, on continue. Qui est-ce que vous voyez, vous? Quel changement après ce gouvernement? Est-ce que Emmanuel Macron doit prendre la parole? Est-ce que vous avez un favori? Est-ce qu'il doit remanier son gouvernement? Est-ce qu'il doit retirer aussi cette réforme? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous avez la parole, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, 8h58. 5h10. C'est la suite du petit déjeuner de l'actu ce matin. Thierry Gaillet, Yves de Kerdrel et vos appels au 0826 300 300. Et on a déjà des appels au standard, dont Alain qui nous appelle de Montpellier. Oui. Bonjour Alain. Bonjour tous les deux. Bienvenue sur Sud Radio. Bon, vous ne voulez pas forcément parler de Jean-Paul Delevoye, hein, non. Vous
Mais d'une autre personnalité. Vous voulez pas parler de Delevoye, mais d'une autre personnalité. Oui. Ah si, moi, je peux parler de Delevoye. Moi, je trouve que c'est absolument indigne tout ce qui a été dit, fait, et ce que lui n'a pas fait, c'est-à-dire ne pas démissionner immédiatement. C'est une honte, quoi. Ouais. C'est une honte totale. Avant même de ne pas démissionner dans un premier temps, déjà, ce qu'il a fait, quoi. Oui, bien sûr. Bon, parce qu'il a essayé de cacher en fait les choses. Ça, c'est pas bien. D'autant qu'il savait lui-même s'était engagé, probité, exemplarité, quoi. Ouais. Et moi, je vais vous dire une chose. Je vais pas cacher les choses. J'ai reçu pour la feuille pour ma retraite. Je vais avoir 62 ans là dans quelques jours. Mmh. Si je prenais ma retraite maintenant, je toucherais 600 et quelques euros. Je sais plus, 635 euros, je crois. Donc du régime général, quoi. C'est ça. Oui. Ça sera ma retraite. Alors, comme je suis à Pôle Emploi, ils m'ont demandé un justificatif. Je leur ai envoyé ce papier-là et j'ai pas assez de trimestres et je pourrais prendre ma retraite à 67 ans. Voilà. Bon, mais c'est pas. Alors non, mais attendez, à 67 ans. Alors, c'est-à-dire comment vous allez faire d'ici là? Parce que c'est la question que je pose moi beaucoup aux politiques qui viennent ici. Je leur dis, attendez, mais c'est très bien de repousser l'âge de départ de la retraite. Pourquoi pas? Enfin, c'est très bien, façon de parler. Mais la plupart des gens, aujourd'hui, à partir de 60 à 63 ans, où il y a le départ en retraite de beaucoup, en fait, en moyenne, c'est ce que l'on voit dans le privé, 30% seulement ont une activité professionnelle. 30% seulement. Et vous êtes dans ce cas-là. Comment vous pouvez faire pour arriver jusqu'à 67 ans, Alain, alors? Ah ben, je suis bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, qui est d'environ 500 euros. Mmh. Et effectivement, quand j'entends Delevoye petit à petit apprendre des nouvelles, c'est vrai que ça me fait bondir. Voilà. Ouais. Non, mais ça, on comprend bien. Alors, comment vous allez faire? Vous avez déjà pris une décision ou pas, Alain? Ah, mais moi, je vais attendre jusqu'à 67 ans. Jusqu'à 67 ans, vous allez attendre. Ouais. Bon, mais vous n'avez pas grand-chose pour vivre, quoi, aussi. Non, effectivement, j'ai pas grand-chose pour vivre. Bon, c'est vrai que c'est pas. Mais on essaie de se débrouiller. Je suis pas le seul. Il y a des gens qui sont dans des pires situations. Ouais. J'ai l'avantage d'être, enfin, si on peut appeler ça un avantage, d'avoir une allocation handicapée, parce que tout ça, quand vous percevez les minima sociaux, petit à petit, vous déprimez. Et moi, je suis arrivé à un stade où ça me bloque complètement. Je dors pas. Enfin, cette nuit, à 3h du matin, je me suis levé. Bon, mais j'ai la chance d'être dans un appartement, de ne pas payer de loyer parce que mes parents, voyant ma situation, ont acheté un petit appartement à Montpellier dans lequel je suis, et j'arrive à m'en sortir grâce à ça. Bon, c'est vrai que c'est lassant de manger tous les jours des légumes, les mêmes choses. Mais c'est bon les légumes, mon cher Alain. C'est bon, mais manger ça contre chose. Je peux vous dire qu'à la longue, j'en ai un peu ras-le-bol. Hein. Ça, je veux bien croire. Bon, et vous écoutez Sud Radio, ça vous redonne la patate de temps en temps. En tout cas, vous avec votre côté positif. Alors, juste d'un mot sur Greta, qu'est-ce que vous vouliez dire, Alain? Moi, ce que je voulais vous dire, c'est plusieurs choses. C'est un peu une vision, la vision que vous avez. Je vous aime vraiment beaucoup. J'aime également beaucoup Elisabeth Lévy, qui à chaque fois est hyper percutante dans ses interventions. Mais il y a un mot qui me choque, c'est le mot réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est le web. Le web, c'est international. Mm. C'est pas le Facebook de Sud Radio. C'est pas le... Donc, je suis choqué quand je vous entends dire sur les réseaux sociaux, il y a 90% des gens qui sont pour... excusez-moi, mais statistiquement, c'est une absurdité. On dit des gens qui votent. Hein. On parle des gens qui votent sur notre compte. Non, bien sûr, ça ne représente pas la France. Non, non, non. Alors, par rapport à Greta, moi, je suis très sensibilisé. Comme j'ai pas d'emploi, je suis très sensibilisé sur tout ce qui se passe au niveau de l'environnement. La semaine dernière, j'ai essayé de vous joindre, mais ça c'est impossible. Vous avez dit que Greta Thunberg était anxiogène. Et vous avez même rajouté une musique
un peu de... C'était Elisabeth dans ça, oui, oui, exact, oui, oui, c'est vrai. Oui. Bon, Elisabeth Lévy aussi avait fait également quelque chose il y a quelques ouais, semaines. Ouais. Hier, vous êtes intervenu en parlant de son voyage et en disant que c'était de la communication, ouais, son voyage en Allemagne. Ouais. En Allemagne. Ouais. Bon, comment ça se fait pouvez-vous m'expliquer qu'il n'y ait pas des personnes qui vérifient les informations? Greta Thunberg a pris un train en Allemagne et a passé un moment assise. Ouais. Elle a posté une photo, comme sur ce que les réseaux sociaux, là je parle au niveau international, qui puisse se passer des posts qui sont postés sur Instagram par des gens qui tricotent, qui postent leur repas, qui postent leur voyage. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai vu une actrice anglaise qui appelait à voter pour Corbyn qui était dans son train et qui faisait voir défiler le paysage. Ok, bon, c'est juste une illustration. Alors sur Greta, elle a pris le train. Ouais. Elle a été obligée de s'asseoir parce qu'il n'y avait pas de place. Mmh. Elle a loué d'ailleurs le fait que les gens prennent le train et que ça soit bondé. Mmh. Et ensuite, la compagnie lui a donné pour une partie du voyage. Alors je me souviens plus du nom de la ville, c'est Grottenberg, je crois. À partir de là, effectivement, ils lui ont offert une place en première. En première, oui. C'est vrai. Voilà. Alors Valérie Expert est intervenue un peu aussi en raillant un peu Greta Thunberg. Oui, oui, avec ses débatteurs. Oui. Avec ses débatteurs, c'est vrai. Derrière, quelqu'un a eu la même réaction que moi. Elle a dit, mais attendez, ne dites pas qu'elle a voyagé alors qu'on lui offrait... C'est pas une fausse nouvelle. Oui. C'est pas une fake news. Puisque, effectivement, une partie du voyage, elle a voyagé comme ça, et après, elle a été en... Elle a voyagé en première. Oui, c'est vrai. Valérie Expert a... admis que oui, effectivement, c'était vrai. Elle a même cité, parce que moi je m'en retiens pas le nom de cette ville allemande, elle l'a même rectifié. Mmh. Hier, je regarde, parce que j'aime assez Yann Barthès et ce qu'ils font, les mêmes choses. Ouais. Fake news, Greta Thunberg. Mais quand est-ce, pourquoi tout le monde en veut? C'est une enfant, à cet enfant. Non, non, Alain, la polémique, elle vient pas de ça. Elle vient du fait qu'elle, effectivement, elle ait posté une photo sur les réseaux sociaux en disant que je suis assise par terre, et qu'effectivement la compagnie de ferroviaire lui a offert une place, et ce que dit la compagnie c'est qu'elle aurait pu retweeter en disant merci de m'avoir donné une place en première, et de ne pas laisser justement la possibilité aux gens de penser qu'elle a passé son train entièrement assise par terre. C'est ça que les gens lui reprochent, c'est-à-dire qu'elle montre une photo d'elle assise par terre, et quand elle est en première, elle dit pas merci beaucoup de m'avoir donné une place. C'est juste ça la polémique en fait. Ok, d'accord. Mais c'est vrai, vous avez raison, Alain, que Greta Thunberg, elle ne laisse pas indifférent. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été élue personnalité de l'année. Moi, je trouve que c'est bien. Personnalité, ça ne veut pas dire qu'on approuve la personne, peu importe. Mais en revanche, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup causer en cette année 2019. Hein. Thierry Guerrier et Yves de Cadrel, qu'est-ce que vous en pensez d'un mot de cette attitude de Greta Thunberg, quoi. Restez avec nous, Alain. Il y a, à mes yeux, la cause et le personnage. Oui, oui. La cause est juste, vous voulez dire ? La cause est essentielle. Oui. Qu'on soit d'accord ou non sur les voies pour tenir la tendance que le GIEC nous suggère pour éviter la grande catastrophe, c'est une chose. Mais la cause, elle, l'absolue nécessité de répondre à l'exigence des scientifiques qui est, nous avons en gros 30 ans, c'est-à-dire au rythme auxquels nous sommes aujourd'hui, on ne tient pas les délais, en vérité 10 ans pour réduire nos émissions de CO2. Voilà, là il y a un enjeu. Il y a le personnage par ailleurs de Greta. Moi, une jeune fille qui a des problèmes chez elle, qui parce qu'elle a un moment de communication génial et qui fait la gueule tout le temps nous donne des leçons, forcément ça interpelle. Il y a des moments où il fallait qu'elle s'attende à être confrontée, challengée comme on dit aujourd'hui, se retrouver avec des personnages qui vont chercher la contradiction. Puisqu'elle prétend avoir un pouvoir médiatique, eh bien, elle doit se satisfaire, se soumettre, en tout cas, au fait qu'elle est critiquée. Ça me paraît tout à fait normal. Ça n'est plus une enfant dans ce contexte-là. Oui, ça, c'est vrai. Elle l'impose. Elle a des spin doctors, des conseillers. Je suis d'accord avec Thierry. Il faut être sérieux. Je pense qu'il faut séparer la cause et la personnalité qui défend cette cause. Elle fait un peu trop la gueule. Je trouve que c'est ce côté... gourou
qu'elle est devenue Nolens-Volens. Peut-être que c'était pas ce qu'elle souhaitait au départ, mais en tout cas, on a fait d'elle un gourou. Me gêne beaucoup. Il y a un proverbe chinois qui dit le sage regarde la lune, le fou regarde le doigt qui pointe la lune. On ne s'attarde plus comme le magazine Time qu'à la personnalité de ce gourou, alors que qui est anxiogène, et comme l'a dit Elisabeth Lévy, effectivement, vous pouvez très bien prendre la cause climatique, et comme l'a dit Mme von der Leyen en inaugurant son mandat à la Commission européenne, et emporter le public. C'est 5 000 milliards d'investissements, vous pouvez faire de la croissance avec toute la transition écologique. Vous pouvez voir ça d'un regard complètement positif et arrêter de dramatiser là-dessus. Je pense qu'il y a énormément à faire sur ce point de vue-là. C'était une parenthèse dans l'actualité. Alain n'est plus avec nous, visiblement. En tout cas, merci Alain de nous avoir appelé. Alain, vous êtes là ? Oui. Oui, et je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de dire. Vous relancez, vous remettez une pièce dans la machine. Mais est-ce que vous trouvez pas, est-ce que vous avez pas l'impression, Alain, que Greta Thunberg est un petit peu instrumentalisée ? Alors, Greta Thunberg, elle a Asperger. Elle a commencé toute seule avec un panneau en faisant la grève. Vous dites qu'elle n'est pas aimable. Oui, si on regarde les syndromes, le syndrome qu'elle tout a... Tout dans la vie n'est pas forcément, Alain, tout dans la vie n'est pas forcément systématiquement dans l'adversité et en faisant la gueule. Il y a des moments où elle pourrait montrer qu'il y a un autre objectif pour un adolescent que simplement donner des leçons en permanence aux anciens en leur disant... Elle dit des faits, point, c'est tout. Et tous les journaux... Alors, hier, elle propose aussi des solutions qui sont controversées. Elle demande des sanctions contre la France. C'est ridicule. C'est la même chose, c'est son discours. C'est pas ridicule du tout. On fait rien. Il y a eu la COP25. C'est pas rien. La France est pays. Thierry, pardon. Excusez-moi, mais moi je regarde tous les jours. Je vous écoute pas que vous. Je lis tous les matins. El País. The Guardian, j'écoute France Info, la BBC, je regarde des journaux internationaux, El País même, anglais, et tout le monde, sans exception, a parlé de la COP25 qui était un échec, que c'était mauvais, qu'il y avait peu d'ambition. Est-ce que vous en avez parlé hier? Non. On en a parlé hier. Chez Valérie Expert, justement, on en a parlé. C'est vrai. Mais vous n'en avez pas parlé. Hier matin, Il y a un moment où il faut que ça bouge. Alain, je vais vous dire, c'est simple, on en a pas parlé. On en a dit un mot, dans la revue de presse, que c'était un échec. Après, on n'est pas allé en détail parce que il y a une actualité qui est très forte par ailleurs. Et puis, malheureusement, il n'y a pas eu d'avancée. C'est vrai. Malheureusement. Il n'y a pas eu d'avancée. Je vous invite à une chose. Vous allez sur le site d'Extinction Rebellion internationale. Vous regardez, il y a juste une carte locale. Et vous regardez les actions qu'il y a dans les autres pays. Et le peu qu'il y a en France. À Montpellier, où je vis, il y a eu l'autre jour Extinction Rébellion. Et vous savez ce qu'ils ont posté comme photo ? Les gens qui ont été éborgnés lors des manifestations des Gilets jaunes. Où on mélange tout. Voilà. Donc moi, il faut quand même qu'on prenne conscience qu'on va dans le mur. C'est ça. Et Greta Thunberg, moi, c'est pas mon idole, c'est pas... Non, mais vous avez raison. Mon gourou, elle dit les faits, point. Et en se basant sur le GIEC, enfin, je me rappelle plus exactement... Le GIEC. C'est ce que je voulais vous dire. C'est gentil. Et puis, s'il vous plaît, il y a une dernière chose que je voudrais dire. Nous vivons en Europe. Qu'on nous parle de ce qu'il se passe également en Europe, dans d'autres pays. Ça peut être... Je sais pas, la Finlande a élu une femme Premier ministre après 2 ans. Vous en avez parlé. Il y a tellement de choses. Dans le monde, je vais vous dire, même dans le monde, en fait, aujourd'hui, on peut parler de l'ensemble des nouvelles. Merci Alain. Dans un instant, notre débat, on va revenir sur la réforme des retraites et l'appel à la manif du 17 décembre d'aujourd'hui. Donc, et soutenez-vous cette journée d'action. Merci à vous Yves de Kerdrel, Thierry Guerrier, Alain et vos appels au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant.